Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve. On est... Oui, quel jour ? Jeudi ? Oui, on est jeudi. Jeudi 30, bientôt la fin de l'année. Ouais. Et là, du coup, on vient d'arriver. Un petit chacalin. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Allez. 1, 2, 3, tu l'attrapes ? Bon. Ah. Eh ben, il va être efficace le rangement, moi je vous le dis. Hein. Bah ouais, mais je l'ai trouvé. J'ai pas pu résister. Vite. Ah. Ah. Allez, lâche. Allez, on l'arrange. C'est toi qui l'arrange. Bon, ménage fait. Je vous montre ce que ça donne. Bon. Déjà, de ce côté. Bon, il y a toujours le sac poubelle, on a un canapé et un carré pour manger. Et tac. Mon petit chat. C'est toi le petit chat, ouais. Et du coup, ensuite, hop, chambre d'hélium, hop, et la nôtre. On se rend beaucoup mieux compte maintenant que c'est propre et rangé. Bon, bah, je vais continuer la chambre de Liam maintenant. Allez, c'est parti. Il y a du lambris qui m'attend. Toi, tu fais quoi? Je fais des chiffons. Avec les vieux rideaux. Il est mignon. Bah non, mais ça sert tout le temps. Regardez. Bah oui, puis là, on en a besoin en plus. Ça sert tout le temps. Oui. J'ai fait des rideaux, enfin des chiffons pour faire les murs. Ouais, des propres. Pas sales. Puis ceux-là, ils sont sales. Ouais, c'est des rideaux plus gros œuvres. C'est ça, avec ceux-là. Des chiffons gros œuvres et des chiffons finition. C'est ça. Ok. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Pas du tout pensé à filmer, mais j'ai monté le deuxième meuble et j'ai mis les fonds, donc voilà. Voilà, voilà. We could have the world to ourselves, going to a place that's far, staring at the stars. Là, du coup, on va commencer à passer sur le lambris de l'huile de lin. Voilà, c'est certains d'entre vous qui nous avez donné le conseil en direct de mettre de l'huile de lin pour protéger le lambris. Et mais garder l'aspect brut. Donc voilà, j'ai fait des tests et c'est vrai que c'est cool et ça le rend encore plus doux. Donc voilà, on va tester ça. Et j'ai commencé là aussi, regardez, hop, bon là ça s'est un peu relevé, voilà, faut la fixer, elle est pas fixée. Et celle-là elle est fixée avec la prise. Alors qu'est-ce que tu fais de beau ? Petit câble électrique. On filme pas beaucoup aujourd'hui, c'est compliqué, mais Valentin travaille sur les soutes et il passe les câbles électriques qui vont servir pour la cuisine. Je vais vous montrer ce qu'il a fait de l'autre côté déjà. Et du coup, dans cette partie-là des soutes, il a commencé à faire un petit coffrage et il a fait du coup passer aussi, hop, là, tous les câbles qui partent dans la cuisine qu'on retrouve à l'intérieur maintenant. Donc voilà, c'est là qu'il y aura toute du coup l'installation électrique avec le compteur, etc. De ce côté-là, on aura tout ce qui est batterie et compagnie. Là, on a
les cuves à eau qui seront approximativement ici comme elles le sont. La soute à vent nous servira de rangement. Et du coup, de toute cette partie-là, parce que de l'autre côté, on va mettre le surpresseur, le ballon d'eau chaude, enfin tout ce qui est eau en fait. Et là, tout ce qui est électricité. Voilà. Parce que je sais qu'on m'avait demandé en fait ce qu'on allait mettre dans les soutes. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question. On n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'en plus on avait du monde avec nous, donc c'est toujours un peu plus délicat de filmer. Ouais. Voilà, mais du coup je pense qu'on va continuer ce vlog sur demain matin. Demain, ouais. Ils vont où les donc, demain après-midi. Oui, voilà. Donc on se retrouve. On sait même pas ce qu'on fait. Voilà, on se retrouve demain. Allez. À demain. À tout de suite pour vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous on continue ce vlog. Du coup on est le 31 janvier. Et oui, dernier jour de l'année. Mais ça ne change rien pour nous. On est toujours à bosser sur le bus. Du coup, aujourd'hui, quoi de prévu? Eh bien, pour Liam, c'est Lego. Ouais. Moi, c'est Lego. Pour Valentin, c'est ponçage du lit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est là. Et je peux vous dire quelque chose? Et ce soir, on fait la fête. Et oui. Et moi, je peux rester éveillé beaucoup. Parce que ouais. Je me suis levée à 8h. Ouais, ça va. Il s'est levé pas trop tôt. Donc ce soir, il va pouvoir rester réveillonner un petit peu avec nous. Il est content. Et moi, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, j'attaque le plafond du fond. Parce qu'au niveau du fond, il n'y aura pas de panneaux solaires. Donc ça, c'est bon. Et le reste, on hésite encore à attendre du coup de mettre les panneaux solaires pour le poser ou pas. On verra. Mais du coup, j'attaque au moins le fond. De toute façon, j'ai quelques paquets de lames. Donc ça va être vite réglé. Je ne vais pouvoir en mettre que 10. Donc voilà, on va faire ça déjà. Ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti. Et puis, il faut que je voie pour acheter le sol aussi. Je peux vous montrer, j'ai pris des petits échantillons. Allez, je vous montre. Allez. C'est vrai que le sol, c'était un peu toute une réflexion. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, moi, j'aime bien les effets parquet. Je me pose un peu pour vous poser, là, pour vous parler. J'aime bien les effets parquet, mais le problème, c'est qu'on a déjà la mise du lambris sur les murs. Donc, je ne pouvais pas mettre un effet parquet au sol. Je pense qu'on aurait été sur du un peu too much bois, vous voyez. Ça aurait été un peu abusé. Carrelage, j'aime pas du tout tout ce qui est effet carrelage ou quoi. À savoir qu'on veut du lino. Parce qu'il y a des endroits un petit peu pas forcément droits ou quoi. Du coup, le lino va permettre de prendre la forme. Donc, ça va avoir un effet plus joli. Et du coup, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est un effet béton ciré. Parce que ça a un effet assez neutre. Ça n'a pas trop de... Voilà, c'est assez lisse. Et voilà, donc je voulais un effet béton ciré. Seulement, je ne voulais pas du gris. Parce que le bois est une couleur chaude et le gris aurait été froid et pour moi ça tranchait trop. Donc je voulais une autre couleur chaude. Donc je voulais trouver du beige, un béton ciré, un beige, un effet béton ciré beige. Donc voilà, j'en ai commandé 3 échantillons. Je vais vous les montrer. Attendez, je vais vous prendre pour regarder de plus près. Hop, je vais vous mettre ça là pour que vous puissiez bien voir. Voilà, hop, hop. Sachant que voilà, je vais pas vous dire lequel on prend tout de suite, mais en gros, il y en a 2. Je sais pas, ils ont rien à voir avec ce que je voulais commander. Je ne sais point pourquoi. Je me demande même s'ils ont pas envoyé les mauvais échantillons. Et il y en a un qui me convient bien. Voilà. Donc on va commander ça aujourd'hui. Donc voilà. Hop. Donc voilà pour les péripéties sol. Ça avance, c'est cool. Ça fait plaisir. Là, j'ai hâte de faire le plafond, donc c'est parti, je m'y mets.
voilà, merci pour le coq. Je viens de mettre mes renforts de côté. Donc, j'ai mis deux chevilles à chaque bout, plus un grand vis de l'autre côté qui fait de là jusque là. À peu près. Pas des petits vis. Et je vais faire pareil de l'autre côté et à voir si je mets un renfort dans le milieu, mais avec les lattes, je pense pas. Qu'à le mettre dans la chambre. Là, je mouille des planches. D'accord. Avec ma grande bassine. D'accord. Si. Allez, bon bah c'est parti, on va emmener ça dans la chambre alors. Ouais. Let's go. Ta-da! Il n'y a plus qu'à le fixer et puis bah installer le matelas. Hein. Et puis il aura un lit. Le matelas on l'a en plus, donc. C'est chouette ça! Bon, moi au plafond j'ai été moins efficace. Hein. J'ai mis 4 lattes. Zouk. Mais bon, là j'ai pas eu le temps. Là, je suis allée au magasin et tout cet après-midi là. Donc. C'est pas grave, après je continuerai demain. Hein. Pas grave. Mais bon, déjà le lit ça a avancé. C'est déjà un bon point. Puis là je vais peut-être encore continuer un petit peu. Cela dit, je dis demain, mais là il est que à peine 16h. Je peux encore m'y mettre aussi. Ah bah attends, faut me mettre au-dessus. Non ? Oui. Et du coup, ben directement, Liam se met à la construction de dinosaures. Ouais, en Lego. Que maman m'a appris pour mes sous. Ouais, il avait des sous, il s'est acheté ça au magasin tout à l'heure. Bon, bah t'es bien installé là. Je pense, ouais, si c'est comme ça que le modèle dit. Qu'est-ce que tu construis, Liam, du coup ? Un dinosaure. Ah oui, c'est vrai, tu nous l'as déjà dit, c'est celui-là. Il est beau. Attends. Il a déjà construit tout ça. Oh. J'ai mis de la lumière, du coup, parce qu'il commençait à faire sombre. Qu'est-ce que tu fais, Valentin, toi ? Oh. Oh, c'est bruyant. C'est ça. Je fais des petites cales pour, mettre, pour faire les coffrages de... du haut des murs. Je vous montrerai après si c'est pas clair. Du haut de fenêtre. Ah ben. Il veut pas écrire ? Si. Du coup, je vais montrer à l'intérieur. Hop. Et du coup, c'est pour cette partie haute ici. Voilà. On n'avait pas encore mis de tasseau. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Hop. Et on va en remettre un autre là pour bien maintenir. Et comme ça, on pourra barder tout le long là. Et après, ici, à redescendre. Parce que là, c'est quand même pas très très beau tout ça. C'est un peu le petit détail qui manque ici et de l'autre côté. Bon, ben voilà, ça se termine là pour cette journée, mais aussi pour cette année 2021. Année, nous, ça a quand même été une belle année, je peux pas dire. Hein. Ouais. On a commencé par 4 mois au Mexique, donc ça, c'était quand même pas trop mal. D'ailleurs, beaucoup si de galères. Vous avez pas vu. Du coup, si vous avez pas vu, bah, effectivement, allez voir les vidéos. Il y a 4 mois de daily super. Vlog, donc vous avez de quoi faire. Hein. Là, vous verrez toutes nos emmerdes et tout. Mais de toutes ces galères, on garde quand même énormément de positifs. Oui. 2021, ça a été aussi la vente de notre maison. Ouais. Donc
Voilà, l'achat du bus. Donc voilà, nous 2022, ça sera encore plein de nouveaux projets. Ça sera l'homologation de Bumblebee en objectif numéro 1. Hein, franchement, voilà. On espère que c'est ce qui. Voilà, que c'est ouais. L'objectif, quoi. L'objectif de l'année. On bosse pour. Hein. Voilà, on va tout de faire pour que début d'année, là, ça puisse se faire. Après, un premier voyage avec lui. Deuxième gros voyage avec lui. Ouais, mais pas en 2022. Ça sera 2023. Ça sera 2023. On le préparera en 2022 pour se retrouver. On fera plein de week-ends. Ouais, ça va être sympa. Franchement, on a quelques week-ends sympas. Et puis après, on va commencer à habiter dedans quand même. Ah bah oui, ça sera notre nouvelle maison, quoi. Donc voilà, on a hâte de commencer cette nouvelle vie nomade, en fait, finalement, en 2022. Voilà, donc vous, je sais pas quels sont vos projets en 2022. En tout cas, je vous souhaite de réaliser tous vos projets les plus fous et tous vos rêves. Dites-moi en commentaire, quels sont vos projets, vous, pour 2022, qu'on voit un petit peu, que voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réaliser tous vos rêves, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous, on est un peu fous, on essaye de faire réaliser les nôtres, donc je vous souhaite la même chose. On essaye. Fait ce qu'on peut. Allez. On se retrouve, ciao. Un de ces quatre, dans une prochaine vidéo. Bientôt, bientôt. Ciao.